Yo les gens, ici Rafi77250, on se retrouve pour le Grand Prix de Formule 1 du Brésil, donc à Audromo, José Carlos Pace, à Sao Paulo, donc c'est parti, on va faire la course ensemble, donc c'est parti. Donc pour la météo, donc c'était pas terrible, c'était plus au départ et avec de l'amélioration dans la course, donc on va voir comment ça va se passer. C'est parti. Donc je suis en pole position pour info, mais bon, vu la pluie qui annonce pour la course... Je suis pas sûr de rester en pole position. Tout dépendra de notre. Qu'on appelle ça? Ah, stratégie en course, ouais. Voilà, il pleut. Aussi vrai que le soleil se lève le matin, le Grand Prix du Brésil attire les foules et fait vibrer son peuple. Victoire décisive, désillusion tragique, triomphe à domicile, le tracé d'Interlagos vous propose tout ça et bien plus encore. Interlagos propose un circuit long de 4,3 km avec 9 virages à gauche et 6 virages à droite. C'est une course adulée par les fans de F1. Ah bah oui, c'est la clair. Il s'est invité au Grand Prix, autant dire que l'adhérence et la visibilité joueront un rôle décisif aujourd'hui. Il faudra se méfier du passage tout en montée du secteur 3 qui a été le théâtre de plusieurs accidents au fil des ans. C'est avec un immense plaisir que j'accueille Nicolas Martin qui vient de me rejoindre en cabine de commentaires. Est-ce que je peux avoir votre avis sur Max Verstappen? On le sait bien, les risques liés à la fiabilité planent toujours en Formule 1 et justement, ils vont devoir s'élancer en fond de grille aujourd'hui à cause d'un changement d'élément sur le bloc propulseur. Clairement, ce ne sera pas facile de remonter dans ces conditions. La bonne nouvelle, c'est qu'ils bénéficient de nouveaux composants qui leur permettront peut-être de s'extirper. Renault est troisième du coup, fait chier. Ils vont sûrement faire preuve d'agressivité aujourd'hui pour compenser leur position de départ. 18e. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Renault part en tête et Valtteri Bottas complète la première ligne. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Hamilton, Vettel, Charles Leclerc et Butler, Weber, Gasly, Grosjean et Alexander Albon, Perez, Ricciardo, George Russell et Kubica, Giovinazzi, Raikkonen. Oh Daniel, Ricciardo les 12e. Fiat et Max Verstappen. Bon, vous voulez qu'on gagne champion d'écurie. Terminé, dirigeons-nous vers la piste. Oh là là, c'est abusif quoi. Bah de toute façon, selon, on changera de pneu pendant la course. Hein. Bon, tu es déjà champion, donc détends-toi et profite de la course. Ah oui, c'est vrai, je suis champion déjà. Stratégie de course. Ouais, il veut pas faire d'arrêt. Il est sérieux, lui. Oh non, je fais un arrêt. Hein. Stratégie. Ah putain, fait chier. Il veut faire sans arrêt. Bah mais il est fou lui. Parce que dans la course, il va... moi je vais mettre ça, hein, parce que là... 18 tours, arrêt, 24. Temps 24. On va tester ça. Hein. Prévu. Ah, je sais pas quoi faire. Bon, je vais mettre ça, tant pis. Je perds du temps, mais tant pis. Hein. Je vais faire ça. Tant pis. Fais chier. Tant pis, je fais ça. Tant pis. Commencez la course. Cela, je sais pas comment faire. Ça me gave. Même si ça me coûte de gagner le Grand Prix, tant pis. Hein. Là, il y a sur le côté, il y a Hamilton qui est passé. Bottas qui sont passés. Oh là là. Mauvais départ pour la Renault. Ah, on les rattrape là dans le virage. On va pas essayer de prendre de risque. On a dépassé Hamilton, mais on glisse. Oh là là, glissade de ma part. Donc erreur de ma part, on va dire. Mais c'est pas grave. On va tester. On va essayer de rester devant Vettel s'il ne double pas. Parce qu'avec sa Ferrari, ça va être dur de lui résister. Avec la voiture qui glisse. Oh là là. Oh, ça glisse. Oh, ça glisse. Oh bah là, ça glisse à mort. Ralenti, flashback. Wow, mais là, c'est mal parti pour la course, quoi. Ça glisse. Bah j'ai droit à 3 flashbacks par course comme je vous avais dit. Hein. Comment ça glisse? Je suis combien au niveau stratégie, ok. On va se mettre en riche. Oh là là, comment ça glisse? Oh, c'est quoi les pneus pourris là? C'est les pneus qui font ça ou c'est la piste?
Pourquoi on est parti en pneu comme ça déjà? On n'aurait pas dû partir en pneu comme ça, on aurait dû partir en pneu plus direct. J'ai pas compris là. Voilà, le Grand Prix, je pense que je vais pas le gagner. Hein. Vu comment c'est parti pour l'instant. Oh putain, touché de. Wow. Oh là là. Grand Prix vraiment catastrophique quoi. Touché de Vettel qui aura dû avoir une pénalité normalement. Ah là, il aura dû avoir une pénalité. Hein. Il m'a complètement sorti de la piste. Complètement nul. Le système MGUH est à bout. Oui, ça je le sais. Le propulseur va surchauffer plus rapidement. Condition météo. La météo devrait s'améliorer dans environ 5 minutes. Pour 5 minutes. Les intermédiaires semblent être les plus rapides. Ah, c'est les intermédiaires en plus. Ah ouais, d'accord. À moins qu'ils rentrent au temps de tous, puis qu'on change de pneu, quoi. Ce serait l'idéal. Comme ça, on pourra repartir sur du pneu sec et vraiment essayer de gagner le Grand Prix, quoi. Et là, je suis cinquième, ça va vraiment être dur. Hein. Wow, on a passé vite Leclerc. Peut-être pas pour longtemps, mais bon, on a passé Leclerc, quoi. Ok, vas-y doucement avec la monoplace. On ne pourra pas tenir longtemps avec ce genre de dégâts. Ah mais qu'est-ce qu'il fait lui? Conduit comme un manche ou quoi? Ouh là là. Oh, c'est bon, j'ai réussi à maîtriser la bagnole mais pas pour longtemps. Ah mais la pluie je déteste. Hein. Oh là là. Je prédis pas une victoire pour ce Grand Prix là. Hein. Oh là là. Ça va vraiment être dur. Hein. Bon, surtout qu'on résiste à Charles Leclerc, ça bon. Faudra monter sur les autres là. Pilote devant. Vettel est devant toi. Ils ont de nouvelles gommes intermédiaires. Ils chaussent des gommes usées depuis deux tours. Le ok, d'accord. Tour a donné 1,27,0. Tu perds environ 3 dixièmes au tour. 3 dixièmes, c'est rien, 3 dixièmes, c'est que dalle. Condition météo. La pluie devrait s'arrêter dans environ 5 minutes. On a tout intérêt à chausser des intermédiaires. On va essayer de changer de pneu, au pire. Ah mais là, il y a Vettel par contre, il a pris de l'avance. Oh. Non, c'est Bottas ou Vettel? C'est Bottas qui est devant. On va attendre 2-3 tours, voir, on va demander la condition météo. Ah. Fais attention à ne pas abîmer tes gommes. Son portant au stand, ce serait pas mal. On te conseille de passer au mélange 2. Carburant sur mélange 2. Et ta voiture? Tu as abîmé l'aileron avant. Les dégâts okay. Semblent légers, mais tu vas devoir faire attention à ne pas aggraver le problème. Il ne devrait pas éprouver de difficultés avec les pneus avant quelques tours. Pour l'instant, tout va bien. Il faut que tu freines plus doucement, tes freins surchauffent. Si tu continues, ça va poser problème. J'aime bien me débarrasser de Vettel, mais il gêne là. Il est devant moi, il gêne. Condition météo. La pluie va s'arrêter. La météo s'améliore dans quelques minutes. Ok, d'accord. Peut-être falloir que tu passes au stand pour chausser les slicks. Pour l'instant, les intermédiaires semblent être les plus rapides. On a passé Vettel. Bonne chose pour l'instant. Mais bah Bottas a de l'avance quoi. Il est parti loin devant quoi. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait là? Oh là là, deux Ferrari m'a doublé. Mon doublé, je veux dire.
Vivement qu'on a eu le beau temps là, parce que là, c'est erreur sur erreur. Ouah, putain, j'arrête à dépasser de voiture. Putain, le fou. Le fifou. On constate une perte de puissance du turbocompresseur. Ah, mais non. Perte de puissance pour le turbocompresseur. Ok, bah d'accord, c'est bien. L'écart avec le pilote de devant est de 5,8 secondes. Oh, d'accord. Condition météo. On a tout intérêt à chausser des intermédiaires. Intermédiaire, c'est ce que j'ai de toute façon. Bon, de toute façon, on va jamais remonter sur Vettel, sur Bottas. Ah, il est là-bas, Bottas, non? Ah, il est pas si loin que ça. C'est quoi? Attends, c'est quoi ce bordel? Il y a une bagnole qui est devant. Il y a deux voitures devant. Faut que j'aille au stand. Putain, je suis en train de me déconcentrer là. Faut que je change de pneu là. Comme dur. Répète s'il te plaît, je t'entends pas bien. Putain de merde. Toi. On est quatrième. Vettel devant. L'écart est de moins d'une seconde. Et non, c'est pas ça que je voulais savoir. Leclerc est derrière. Ils ont de nouvelles comme intermédiaires. Notre retard sur la voiture de tête est de 13,1 secondes. Ouais, faut jouer au stand. La fenêtre de ravitaillement s'ouvre dans 3 tours. La fenêtre ouvre dans 3 tours. 13 okay. Tours restants. Rentrer au... Attends. Jusqu'ici, le meilleur tour est de 1 minute 25,1. Putain, mais con. Il faut que j'aille au stand. Mais je sais pas quoi mettre comme pneu. Confirmé, on t'attend au stand à la fin de ce tour. Gomme. Ah ouais, la gomme. J'ai pas compris, répète. Au stand à la fin de ce tour. Rentre oui. Au stand à la fin de ce tour. Putain, mais j'arrive pas à gérer le truc. Gomme, temps d'intermédiaire. S'il te plaît, on a des problèmes de réception. Putain de merde. Gomme tendre. Bien reçu. Pneu tendre à ton prochain arrêt. J'espère qu'il l'ont pris en compte. Parce que là, je suis dans la merde sinon. Oui, c'est bon, ils ont pris en compte. Nickel. C'est nickel, ils ont pris en compte. Allez, c'est bon, on va pouvoir foncer. Tranquillement, ça va être bon. Ces pneus-là vont être bien pour la course. J'essaie de remonter tout le monde, là. Fin de notre stratégie pour les stands. Tâche de conserver ces coms jusqu'au bout. Ok, d'accord. Il reste 13 tours, elle a dit. Ça devrait le faire. Allez, c'est parti. On va essayer de remonter, hein, si je peux. Les pneus ont l'air de... Ah ouais, mais non, c'est quoi ce bordel? Les pneus ont pas l'air d'être bien pour l'instant. Conditions météo. Aucun risque de pluie pour l'instant, les conditions sont favorables. Je sais pas s'il vaut mieux chausser des slicks ou des intermédiaires. On est entre deux. Ouais, mais fais chier. Ouais, je pense que j'ai foiré ma course, là. J'ai voulu prendre ces pneus-là et j'aurais pas dû. La route est pas assez sec. C'est foutu, de toute façon, le Grand Prix, il est foutu. Je pense que j'ai fini, je vais perdre la course. J'ai fait une mauvaise stratégie. Putain de merde. Mais la piste, elle va se réchauffer normalement. Ça devrait le faire un moment. Augmente l'utilisation de l'ERS. C'est le moment d'utiliser ce surplus. Ça glisse à bloc. Ça peut payer quand même. Mais c'est chaud, hein.
Ah, je pense que le Grand Prix là, c'est foutu. C'est foutu. Je vais. Bah, j'ai fait un Grand Prix dans le vent, quoi. DRS a été autorisé, DRS disponible. Notre retard sur la voiture de devant est de 16,5 secondes. Voilà. Conditions météo. Aucun risque de pluie à signaler pour le moment. On ne sait pas quel type de gomme privilégier. Tu peux chausser des slicks ou des intermédiaires. De toute façon, j'ai pas changé de pneu, hein. Je vais rester comme ça, hein, c'est mort. Pas m'amuser à changer de pneus. Hein. Mais les pneus, ils vont bien faire leur taf en bout d'un moment. Je suis en train de remonter sur les autres là. Quoi, et puis au stand. Daniel est au stand. Je gagne du temps là. Je suis 16e, nickel. Je commence à remonter donc c'est bon. Peut-être une bonne stratégie quand même. Faut juste que mes pneus chauffent quoi, puis que la piste se réchauffe. Ils ont mis des pneus rouges donc ils sont égalité que moi quoi. Donc ça peut être une bonne chose. Faut juste que mes pneus ils chauffent. Ils sont pas assez chauds là. On peut finir dans les 10 premiers. Hein. Bien, bon travail. Oh putain, elle rompt. Casse-toi, tu gênes. Voilà, ça glisse pas. Pas que ça glisse pas, mais... Ouh, ça glisse. Ah, mais qu'est-ce qu'ils foutent, là? Ah, mais ils sont en train de me prendre en sandwich. Faut tarer ou quoi? Cassez-vous. Bon, c'est bon, j'arrive à passer. Je suis 10e. Ça peut être une bonne chose. On va se mettre en standard pour économiser un peu de carburant. Mais ça peut être bien. On a peut-être pas foiré notre Grand Prix pour autant. Ça peut être bon quand même. Je suis 9e là. Donc peut-être qu'on a peut-être fait une bonne stratégie de s'arrêter de bonne heure pour pouvoir les rattraper pendant qu'ils aillent au stand quoi. Donc peut-être pas que le Grand Prix est foiré quoi. On peut être troisième quoi. Ou deuxième peut-être, on va voir. Bottas c'est premier, ok. Hamilton a le meilleur temps. Ricardo 8e, nickel. Allez, passe Ricardo. Putain, mec, il est plus de gouache que moi. 8e. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Allez, pousse-toi, tu gênes. C'est passé. Allez, gêne les mecs là. Faut chier.
Ah non, on est plus rapide que lui de toute façon. Non, on est pas plus rapide. C'est chier. Tu rattrapes la voiture de devant, mais rappelle-toi, il faut que tu termines la course avec ses pneus. Oui, t'inquiète. J'ai entendu, je suis pas sourd. Le pilote de derrière ne tient pas la cadence, un écart se forme. Allez, faut que je dépasse ces quatre voitures là pour être bien quoi. Faut que je dépasse les quatre là. Ouh, c'est passé le Davombe. Du bleu français. Ouh, on a risqué mais on est passé. On est passé. On est quatrième, cinquième. On peut être troisième. Hein. Si on gère bien, on peut être troisième. On va se mettre en chrono là pour gagner du temps. Et revenir sur Vettel. On a peut-être pas foiré notre Grand Prix. Hein. On a pas foiré notre Grand Prix. Oh, puis il y a Butler sur le côté là. Qui essaye de passer. Mais il est passé du coup. Mais pas pour longtemps. Moi je te dis, je vais pas me laisser faire. Je suis pas un pilote chevronné pour rien. Pas se laisser faire. C'est pas un petit pilote qui était en F2 l'année précédente qui va me. Moi aussi je suis en pilote F2 mais bon. Formule 2, c'est passé Vettel. Oh là 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 là. Il reste plus que 16 à 16 qui est troisième. C'est quoi? Ah non, c'est Weber. C'est Weber qui est troisième. Je pense que c'était 16. Je peux finir troisième. Il reste à peu près 5 tours de carburant. Ok. On va essayer de rattraper Sainz pour être troisième. Bah on part premier, on arrive troisième. Donc je pense que on a quand même limité les dégâts quoi. Putain, Vettel, la vitesse qu'ils ont les Formule 1, les Ferrari. C'est hallucinant quoi. Je te laisserai pas passer. Putain, on n'arrive pas à rattraper le McLaren. C'est cool ce bordel. Ouais, bon bah. Ouh là là. Touchette. Sans gravité. Mais qu'est-ce qui se passe là? Mais l'autre il me met hors piste. Il aurait dû avoir un avertissement, Vettel. Hein. Pour l'autre, le mec il me pousse quoi. Casse-toi, je te dis. On passe. On est passé, mais bon, l'autre, il arrête pas de tricher, quoi. Il pousse dans le décor, quoi. Impeccable, très belle manœuvre. Bah, je pense qu'on va pas finir troisième, à mon avis. On va avoir du mal. Hein. On va économiser la batterie. Ah, on a... Je crois qu'on a largué Vettel, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va revenir sur nous comme une bombe, regardez. Regardez la vitesse qu'il a. Hein. Pilote devant. Vettel devant, ils ont de nouvelles gommes tendres. Ils chaussent des gommes usées depuis 6 tours. Premier tour à donner. 1, 16. Bah, ça va être chaud pour attraper. Hein. Je pense que je vais finir 4ème. Au tour. Il est fou, lui. Je vais mettre en intermédiaire. Ok. Tour à donner 1 minute 16,9. Tu perds environ 1 seconde 6 au tour. Ok, je vais se le rattraper pour être 3ème au moins quoi. Par contre
Les Mercedes, ils se font vraiment plaisir devant. Putain. Il nous reste à peu près 3 tours de carburant. L'écart avec la voiture qui te précède est de 1,8 secondes. On est en train de remonter là, Tu creuses l'écart de quelques secondes par tour avec la voiture de derrière, ne lâche rien. Pilote devant. Il y a des parasites, merde. Tu peux répéter. On n'a pas entendu, il y a des interférences. C'est pas grave, tant pis. J'ai pas besoin de toi. Je sais que je remonte sur lui. Faut qu'on le double ce mec là. Pour être faut être sur le podium. L'objectif, podium. On peut se le faire ce pilote. C'est une petite écurie par rapport à Renault. On peut le battre. Oui, on remonte sur lui, nickel. Allez, casse-toi maintenant. C'est passé. C'est passé. Allez, maintenant, il n'y a plus qu'à dire boujou. Boujou, ma poule. On est deuxième. Comment ça se fait qu'on est deuxième? Ah merde. Il est où Bottas? Ok, d'accord. Ok. Pilote devant. Hamilton devant. Il chausse des pneus tendres usés. Il chausse des gommes usées depuis 8 tours. Le dernier tour a donné 1,15,8. Putain, merde. C'est pas fini, moi je dis. Attends, je peux finir deuxième, c'est bien. Mais il est loin, Hamilton. Ah oui, d'accord, bon, c'est même pas la peine. Vous voyez comme il est super loin dans la map. Il est à peu près 2-3 virages de moi, quoi. Donc c'est même pas la peine, on va pas pour l'attraper. Mais au moins, on finit deuxième. On était premier, on finit deuxième. C'est plus qu'inespéré, quoi. J'essaie de le gratter un petit peu, lui, qui commence à m'énerver, à me coller au cul, là, depuis tout à l'heure. J'essaie de le gratter un peu, je vais le mettre en chrono. Pour le larguer un petit peu, là, pour le mettre sur place. Non, mais je l'ai bien mis sur place, là. Bon boulot, tu viens d'inscrire le meilleur tour en course. Mais ça y est, les pneus, ils ont pris leur chauffe, là. Le soleil arrive, donc nickel. La piste va être chaude. Donc on va finir deuxième. Donc franchement, plus que je pensais, c'est vraiment un grand prix exceptionnel, on va dire. Donc vraiment, poussez la barre des pouces bleus. Allez-y, parce que là, je le mérite. Franchement, partir premier et finir 20e à cause des pneus, d'aller au stand, changer les pneus et de rattraper tout le monde, là franchement, c'est vraiment un exploit, on va dire. Même si c'est pas une grosse difficulté, je joue 70%, je crois. Une difficulté, donc. Ah voilà, Bottas, meilleur temps, il a franchi la ligne d'arrivée. C'est Bottas, pourquoi ils disent Bottas? Je comprends pas. Drapeau à damier, Bottas vainqueur. Ah non, je suis troisième. Je suis pas deuxième. J'ai mal vu, je suis troisième du coup. Ah, j'ai mal vu, je suis troisième. Ah d'accord. Donc je suis troisième du coup, voilà. C'est bien, c'est bien. Bon voilà, troisième podium quand même. Beau travail, tu as été excellente. Tu as piloté. Excellente, ouais, ouais, je suis un garçon. Je suis pas une fille, je te rappelle. Le mec il dit excellente quoi. Ok. Encore une victoire historique pour l'écurie Mercedes. Bien joué. A votre avis, Nicolas, qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui? A mon avis, la gestion des pneus a grandement contribué à la victoire. Comme toujours, la vitesse ne fait pas tout. L'important est de conserver un rythme constant tout au long des différentes phases de la course. Il faut c'est bien, nickel. Des tours propres sans forcer sur la conduite ni sur les pneus. C'est là-dessus que la cinquième, Sébastien Vettel. C'est le tricheur, t'aurais dû être moins bien que ça. Après cette excellente performance durant le Grand Prix, vous pouvez être sûr que l'équipe Mercedes va fêter ça dignement. Ah bah c'est sûr, hein. Et il le mérite bien.
Bon ben voilà, on a fini troisième, on part premier. Malgré tous ses efforts, le leader du championnat vient de céder un peu de terrain au classement aujourd'hui. Eh bien Nicolas, quel serait pour vous le meilleur candidat au titre de pilote du jour? Daniel Ricciardo m'a beaucoup impressionné. Ah oui, c'est vrai, il est arrivé septième. Une performance incroyable. Et c'est encore une nette victoire de classement. Mercedes qui réussit à s'emparer du titre des constructeurs. 389, donc ça va. Incroyable pour toute l'équipe. Quel grand prix passionnant nous. Ah oui, bah oui, ils ont battu. Très bientôt, Nicolas et moi-même pour un nouveau week-end de Formule 1. Ok, bon bah voilà, c'était bien, franchement. Troisième, c'est bien, j'ai sauvé les meubles, on va dire. Je conserve quand même mon titre de champion du monde, mais... Quelle performance extraordinaire! Vous devez être très content de ce résultat. Nickel. On dirait que vous avez été sous-estimé. Mon équipe ne faisait confiance à... C'est un plaisir de combler ses attentes. On dirait bien, mais... Tous droit à l'erreur. On va lui mettre ça. On a tous droit à l'erreur. C'était une bonne course pour Lucas. Ah bah que oui. Que pensez-vous de sa réussite? Ça s'est joué à pas grand-chose avec Lucas. Oui. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver en compétition avec un ancien coéquipier? Ouais, je vais mettre ça, voilà. Votre duel contre votre adversaire direct vous a-t-il aidé à progresser cette saison? L'aide à ravir les fans de cette soirée du spectacle. Voilà, c'est bon. Merci pour votre temps. Merci. Merci de rien. Ok, nickel, face à face remporté, nickel. Bon, j'ai gagné quelques points du coup. Par contre, la voiture. Tu t'es bien débrouillé. Je vois mal ce qu'on pourrait te reprocher. Bon, j'espère. Ah ouais, non, mais il y a une course. Je vais faire tout de suite également ça. Attendez, ça c'est fait. Ça c'est fait, c'est fait, c'est fait. Voilà, au niveau de la voiture, on va laisser telle quelle. Bon, on peut pas mettre de nouvelles pièces là. Ah, je peux peut-être mettre une nouvelle pièce. Qu'est-ce qui si me sort? Oh non. J'investirai sûrement dans ce domaine. Ouais, d'accord, si tu veux. J'aurais bien mis ça, moi. Fond plat. Je vais mettre ça, tu vois. Hop. Ouais, je peux même pas le mettre. Pas le mettre. Je conseillerais plutôt d'opter pour quelque chose dans ce genre-là. Bah, vas-y. Hein. On va investir dans ça, tant pis. Hop, ça c'est fait. Ok. Donc voilà, donc on se retrouve prochainement pour un prochain Grand Prix. Donc bah comme vous pourrez voir, il y a une épreuve rétro, donc à voir prochainement aussi également. Donc moi je vous dis prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos. Salut, bye bye, porte-toi bien. Peace.